Il est vrai que c'est des populations qui traversent une situation très délicate. Mais le maire de Saint-Louis et la mairie a pris à bras le corps, dès le départ, dès les premiers rats de marée qui sont intervenus en 2015. Voilà. Donc, en logeant les premiers sinistrés au niveau de Khariala et dans des logements construits en dur, appelés les logements sociaux, qui étaient au nombre de 68. Mais vous avez vu que nous avons connu véritablement beaucoup de sinistres, hein, suite à ces mêmes rats de marée qui se sont multipliés de manière cyclique, hein, et ce qui a fait que il y a eu beaucoup de dégâts. Au bout de quelque temps, le nombre de logements qui étaient là-bas était épuisé, donc ne pouvait plus abriter de sinistrés. Et c'est à partir de ce moment maintenant, quand il y a eu la houle, la dernière houle de 2017, que l'État du Sénégal, à travers ses services techniques, hein, la protection civile et autres, a mis en place des tentes pour prendre ces populations-là en charge, avec l'accompagnement de la commune. Et pendant tout ce temps, toutes ces actions-là qui ont été faites par l'administration territoriale, le maire a accompagné en quoi faisant, en dotant de kits alimentaires, en dotant de kits matériels, en distribuant des enveloppes financières, en organisant même des consultations médicales pour prendre en charge ces populations. Pour vous dire qu'il y a toujours un suivi de la part du maire et de la commune par rapport à ces populations-là. Et ces populations elles-mêmes l'ont attesté, ils l'ont accepté, elles l'ont répété à plusieurs fois. Bon, maintenant, ceux qui sont présentement au niveau de Khariala, c'est malheureusement les populations qui ont été impactées lors des deux dernières houles. Je veux dire celle du mois d'août et celle du mois de février dernier. Alors, ces populations-là sont dans des tentes qui ont été érigées par la protection civile, donc l'État du Sénégal, mais pas la commune de Saint-Louis, parce que nous n'avons pas de tentes. Ça, il faut le signaler. Et également, la Croix-Rouge, qui est venue en appoint pour accompagner l'État du Sénégal et la commune de Saint-Louis, en mettant des tentes, une version assez améliorée quand même de l'existant. Alors, les populations étaient là. Mais je crois qu'il y a de cela au moins un mois et demi, le maire a effectué une mission sur le site pour rencontrer les populations. Nous tous ici étions de cette mission-là. Le maire a échangé avec ces populations, a partagé leurs préoccupations, alors a demandé des esquisses de solutions pour recueillir leur avis. Et en dernier ressort, le maire a proposé de les mettre dans les établissements scolaires puisque nous sommes en période de vacances. Ils ont accepté. Tous les sinistrés ont accepté pour dire que vraiment, ça, ce serait l'idéal si nous pouvons vraiment accéder à ces établissements-là en attendant que vous nous trouviez des solutions. Alors, sur ces notes, nous avons quitté les lieux et au moment de rendre compte également, il y a eu une réunion avec nos partenaires techniques et financiers au niveau de la gouvernance, avec l'ensemble des services techniques de l'autorité administrative. Nous avons fait état de cette préoccupation-là du maire en disant que l'option du maire, c'est d'amener les populations sinistrées au niveau des établissements, au moins pour les 3 mois, parce que c'était en début juillet, août, septembre, pour les 3 mois. Entre-temps maintenant, on va entrevoir des solutions. À l'ouverture, en tout cas, les établissements seraient libérés. Et pour les rassurer, on leur avait dit que ces mêmes populations-là étaient dans les établissements, parce qu'ils sont venus des établissements au mois d'août, quand ils ont eu les rats de marée là, ils ont occupé les établissements. Mais à l'ouverture, ils ont libéré ces établissements. Donc le problème de libération des écoles ne se pose pas. Donc nous avons partagé cette préoccupation du maire. Et ce que je peux dire, le maire, pour le moment, opte pour cette même position. Jusqu'à hier nuit, il opte pour cette même proposition de les mettre, pour les quelques jours qui restent, le mois et quelques qui restent, de les mettre dans les établissements. Parce qu'il peut advenir des adverses beaucoup plus importantes. Donc, autant les sécuriser dans des établissements.
en attendant maintenant d'entrevoir d'autres solutions, des voies qui pourraient peut-être permettre à l'ouverture de libérer ces établissements et de les mettre dans un lieu sûr. Pourquoi tout ceci? Parce que nous sommes dans un processus. Et je vais rappeler ce processus-là. Le maire, quand il y a eu véritablement... quand il y a eu toutes ces situations-là, issues de l'avancée de la mer, beaucoup de problèmes, il a dit que Saint-Louis est en train d'être dépassé. Parce que les houles interviennent maintenant deux fois, trois fois dans l'année. Et ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc il faut trouver d'autres solutions additionnelles. Et le maire s'est mis à parcourir le monde pour aller dans les réunions internationales, rencontrer les institutions, les grandes organisations, les présidents, les décideurs, pour faire le plaidoyer de Saint-Louis pour la prise en charge de ces sinistrés. Et il l'a fait et heureusement, il a obtenu gain de cause. Parce que c'est suite à ces tournées de plaidoyer-là que la Banque mondiale a sévi, donc a réagi pour accorder un financement de 30 millions de dollars pour prendre en charge cette question. Vous avez vu qu'à Paris également, ça c'était à Washington, à Paris, le président français a fait la même chose. Le maire lui a demandé de venir constater en lui disant que vous êtes là, en train de discuter de fonds verts, de fonds pour l'environnement, d'avancer de la mer, alors que nous, nous le vivons à plein fouet. Et le président a dit que je vais me déplacer pour venir à Saint-Louis pour constater de visu ce qui se passe et au sortir de cette rencontre, je vais agir. Et c'est ce qu'il a fait en accordant le même montant de financement ou à peu près le même, 30 millions d'euros pour la prise en charge de ce phénomène-là. Ce qui fait que ce programme-là de la Banque mondiale a déjà été ficelé. Donc actuellement, nous avons un programme qui prend en charge les sinistrés de la langue de Barbarie. C'est le programme de la Banque mondiale qui s'appelle SERP, Saint-Louis Emergency Recovery and Resilience Project. Donc projet de relogement et de résilience à Saint-Louis. Donc voilà ce projet-là qui a démarré. Vous savez les procédures de la Banque mondiale qui sont particulièrement longues. Mais pour ce projet d'urgence, mais la Banque mondiale a fait beaucoup de faveurs à l'État du Sénégal pour alléger, alourdir les procédures. Ce qui fait que présentement, toutes les approbations, tous les accords, toutes les signatures ont été faites. Tout. Récemment, le 8 d'août dernier, nous avons été à Sali pour travailler sur le manuel d'exécution du projet.